Silence. Le jardin des jumelles semblait désert. Armé de mon pistolet laser, j'ai traversé la pelouse sur la pointe des pieds. Derrière le bac à compost, j'ai aperçu le bout d'une basket. « Vu, Isée !» me suis-je exclamé. Isée a bondi et s'est enfui en poussant des hurlements. Bon, bon. Non, là, papa, ça fait un peu trop, quand même. Ah bon? Et puis les gens du salon ont trouvé ça anxiogène. Ouais, t'as raison. Et si je leur montrais les crayonnés de ta série Les Grandes Années avec toutes les étapes? Non, mais ça, c'est le travail d'Élodie Durand, l'illustratrice. Faudrait qu'elle soit d'accord. Puis moi, j'aimerais bien montrer un peu mon travail à moi, quand même. Pourquoi tu leur lis pas un extrait de ton dernier roman ado? Y a pas d'image, et ça te fera de la pub. Ah non, mais ça, je fais ça tout le temps. Avec tous les salons qui sont annulés, je pourrais devenir un lecteur professionnel. Puis je devais rencontrer des élèves de primaire, pas des ados. Bon, bah alors, on fait juste un message tout simple pour les élèves que tu devais rencontrer. Chers lecteurs, chères lectrices, au vu de la situation sanitaire du pays, nous ne pourrons pas nous rencontrer. Tu peux pas faire un truc un peu plus comique? Coucou les enfants! Eh bah, désolé, mais à cause du confinement, je vais devoir vous poser un lapin. Non, c'est nul, nul, nul. Tu pourrais pas juste leur demander d'être invité au salon en 2021? Ouais, ça serait chouette, mais ça c'est des trucs, ça se demande pas comme ça.